télévision des cultures urbaines du Sénégal. Gaay waaw tay nek plateau bu spécial ñuy waxtane li nga xamanteni mom moy musique. Musique dafa neex comme niko gaay di waxe rek musique dafa sax ci xol day jubé ci xol dem ci xol dafa leer dalon lañ nañ ki nga xamanteni mom moy une artiste chanteuse rappeuse mais dañoo ñëw ci li nga xamanteni mom moy encore musique ci compositeur dafa leer parce que musique dafa yaatu waaw ba paré compositeur mom nek à la base de la musique waaw ñi gis ni jamono yi tendance may keuf wax ci yam nga waaw acca dama tendance yu am tay ciol yépp ñi wax ci identité musicale fan la suñu musique jëm hein est-ce que artiste yi dañoo international loolu lepp lan mako waral moy compositeur ñu nek ñoo xamanteni à la base de la musique ñoy créer affaire yi quoi gis na clip bi légui ni yagna ishara ma men tilzer so dollar di commencé automatique ci li nga xamanteni moy manifestation yi vraiment mom nek lu déplorable parce que c'est vrai manifestation bu amé c'est vrai les artistes hein et ambassadeur len ils représentent donc il faut ñu mën len ragner ci li nga xamanteni moy combat bi parce que c'est vrai ñep ñu nek ci manifestation bi ñep ci bok yam parce que ñu ñëpp bokk li xamanteni moy metti bi mais artist yi wone na mëna seppi ci li xamanteni moy yeen xat xat yi ndax té ñom dañu am ben mission en plus de juste mission ou xex bi nek lu vraiment lu déplorable wone na chaîne toute l'équipe cette ko ba massaw ko ci li xamanteni moy lu ñaaw nonu donc ñaawlu encore li xamanteni moy attente aux artistes sans plus tarder Kenza dawalal waaw sans plus tarder on a ki nga xamanteni modi majestic drama ñu wara waxtaan ak mom ci lu bari ha ak graw voilà non mais dafa graw tour bi rek dafa ko la xelu ñepp la ciub xol ñepp ciub instant bi ni ma lolo ma jaal chaque jour ma sonol la ciub legi comprendre la lay motam lay sonol ak ciub mang koy mais man tamit dina xamal gaay lan mo tax ma sonal len ak ciub sur snapchat sur whatsapp sur instagram rana bambara nga lu tax ciub di la sonal non mais mom mo gene lu nice mo tax affaire bi xam lo sonal lolou après dañuy baye ma ci voilà ñu ngi lay baye nga nuyo yaangi ci sen émission Bege Nation fi ci One Nation TV bien sûr la première télévision des cultures urbaines du Sénégal de la wax ni ça nous fait énormément plaisir de te compter aujourd'hui parmi nos invités spécial fête de la musique lañu wax donc yaangi ci bien tatulelo ay bu len sonal Merci. Majestic Travels. Wow, salam alaikum wa One Nation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Talrek. Vraiment, t'es une légende dans le game et tout. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Man Majestic, mais tout le monde le joue Majestic Drama. Parce que comme un gars, dans notre temps, il tal, dans notre dégue, il bave, il kenza. Mon mignon, Andy Carnaby, Majestic. Man gaay dama man damay drama waaw man damay bëgg dem the drama no bëgg dem États-Unis dem Miami dem Las Vegas jugé États-Unis ñu Sénégal buntu baye ñu waxal ak boobu gëna gaaw waaw boobu mo gëna gaaw sax bon temps yu mu nekkon New York j'étais jeune et tout one of them si salle de cinéma et dit c'était un film et tout OK donc aussi je prenais beaucoup d'inspiration aussi filmé donc la manière les movie score c'est hyper grandiose et tout donc en plus de ça de mon nom aussi ben site boutoudou rockbattle.com donc de mon nom def compétition rien et beatmaker et I beat battle yoy donc man tout le temps insu yumurum dour c'est des insu qui étaient grandioses et beaucoup de drames aussi voilà donc en même temps référence bon quand j'avais 15 ans et tout, la manière dont je me voyais vivre ma vie et tout, moi qui sont son bof, sorry quoi. Donc, je me dis, ok, Hamadjol, Majestic, en plus, drama. Drama! Why voilà. The drama, man? Vraiment, parce que les insultes étaient hyper dramatiques. Eyo! Donc, en termes de beat battle, il faut être hyper dramatique avec les instruments et tout. Donc, c'est un film, c'est un Spider-Man, c'est des games, music beat, score, c'est hyper dramatique. Il y a un score, est-ce que vous avez un score? Gars, comme les scores, on a été à la micro, on a été à la micro. Voilà, voilà. Donc, score, moi, soundtrack. Donc, soundtrack au film B, movie score. Donc, il y a des compositeurs derrière le soundtrack d'un film, quoi. Tu peut-être Dina Amben Kujé le violon et Arki guitariste et voilà quoi, il y a plein de composé à faire, composé à faire et tout quoi. Donc voilà.
Ok, mais bon, moi, je suis cinéma, je suis grave là, je suis là. Parce que y a une musique adaptée donc petit movies quoi. Lol, mais score parce que d'une musique, composition musicale, avec sound designing. Ah. De faire une différence parce que t'as mis de nous composer son comme petite musique, hein, comme rap guy, rap rapperie. T'as mis de nous composer peut-être musique ou le son. Comme score bien expliqué quoi. Bon, la musique ça permet à toute personne de vraiment de s'identifier dedans et c'est une liberté d'expression. Donc voilà, donc soit utiliser technique, utiliser ces films et tu prends des musiciens, des guitaristes et autres, c'est une manière de s'exprimer. Donc, c'est un design, comme tu as dit tantôt, tu peux juste peut-être utiliser l'ordinateur sans autant utiliser des vrais musiciens. Donc, mais tout ça, c'est une liberté d'expression. À la fin de la journée, la musique, c'est de la musique. Right. Voilà. Tchayallah, les professionnels parlent. Kenza Walsh de Léon. Non, bah, vu ça, Befdal. Befdal de Léon. Non, moi, d'abord, il s'est dit, si tu as un moment. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans les conduits de l'Université, peut-être que vous voyez musique. States dañuy bok ci ñinga xamanteni mom lañuy ndëkkal lim loolu dafa nek parce que ci origine ba lepp lu ci bëgg lay naan États-Unis mais yow nga bay New York ñeu Galsen nga ñeu Galsen xam nga déjà li fi nek commencé won nga jox States amna yeen production yo fu jotone def mais pourquoi avoir choisi Galsen ñeu Galsen et non dama ligué artiste sénégalais parce que vous êtes sénégalais là. Ah parce que ouais parce que moi bon je suis sénégalais de base. Non, Canada. J'ai vu quoi. Non, bon, moi de base, je suis sénégalais, je suis né à Dakar et tout. Donc, Léboula tout aussi. Donc, Lebou Djaljop et tout. Donc, bon, je suis aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Faut vous savoir Buzz Lab, il travaille avec moi, Cannabis. Il y a des morceaux. Il y a des morceaux. Amzo Dal, Amin, liste bien tellement longue. Il y en a ça de moi quand on fait like à vous. Le dégueulasse. Donc liste bien tellement longue. La mort ou Chichi avec Amzo Dollar. Avec J21. Man, la liste est longue, laisse tomber. Moi, je suis en vacances, Dakar, Gaïdi, mon ami, yo, tes instruits, on l'entend partout, quoi. Après, au début, Wabouza, Khamouni, on est en Sénégalais, là. Tu vois, donc, on tombe sur une page, Gaïdi, Demdi, Genesis, mon instruit, et qui, quoi. Okay. Après, au fur et à mesure, c'est là, Wartane, manager ou Cannabis, après, on a appris à faire connaissance. Donc, relation, on vit développer, oui, tout, quoi. Donc, bon, en 2016 et tout, dans mon job, ben artiste français, Boutoudou Darel. Donc, c'est là où j'ai quitté Atlanta, après mon Paris, parce qu'il a signé un contrat avec Universal. Donc, je suis venu à Paris. Paris, mon, je suis fatigué à Sandaga, à Dakar, quoi. Je suis mon premier arrondissement, Concorde. Donc Concorde à Château d'eau fofu la gars di wotoué tout fofu comme Sandaga donc so djugué Château d'eau dem Barbès et tout donc voilà ça xam Sénégal vraiment revenait comme ça mel quoi après fofu la djugué ñeu Dakar après moné OK maintenant je pense que mona installé au fi quoi. Et d'habitude, nous sommes aux États-Unis, voilà, nous sommes aussi au Sénégal. Nous avons fait une transition. Nous avons fait une transition. Après, nous avons fait une transition en Afrique. Vous voyez le château d'eau, vous m'avez dit. Il y a une femme qui est là. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Non, mais non, c'est vrai. Une belle invitée vous venez après nous voir parce que je fais le moment qui n'est mis à gueule mais ça borom tchèb yu nek avant tamit waaw dafa melni kiné dañu mën tchèb hein non en général touri borom tour yo ñom mel non ñom ñoy téggu ko ñom mel non mais majestique tay nek fête de la musique ñom accueillir là sur notre plateau Begué Nation vraiment déjà lol dañ ci contane mais aussi wara dugg ci li nga xamanteni mom moy un débat parce que dafa am thème. Tu es un producteur, compositeur, tu as travaillé avec des artistes. Mais tu as vu actuellement quelle place
du positionnement. Ouais, quel positionnement, quel positionnement occupe le rap galsen dans la musique moderne d'aujourd'hui? Madame, yow, actuellement, fan nga gis hip-hop galsen, rap galsen plutôt. Fan la gis si le monde global quoi. Afrobeat, Afro, effectivement, parce que bon, Sénégal, so xolé histoire hip-hop, il y avait des moments bo xamantene hip-hop les autres pays prenaient référence au Sénégal quoi. Donc vraiment on était en avance. Les fumu tolni, on doit se rattraper. Voilà, ñepp ngi avancer mais Sénégal doit se rattraper là. So xolé Ghana, so xolé voilà, so xolé Ghana, so xolé Nigeria, so xolé les autres pays anglophones ñu ngi avancer. Nice, tu vois, ils dominent le marché. Voilà, donc Sénégal, il doit se rattraper quoi. Donc je pense que sur Nidef Music, c'est important de focaliser pas seulement juste le Sénégal mais le marché global quoi. Okay. Marché international quoi. Donc je pense que mon Nidef Music bo xamantene ça va plaire à la population en même temps toucher le monde entier. Mais bonne bonne genre musique. Parce que yo sax musique bi ngay def ni gis na clip bi sank yag na. Yoy sax bon dañ xam na ni suñu gaay ñom ñang télé am zo dalas ay rapport sénégalais le mais sound bi xam nga da graw. Donc quoi bonne genre musique quoi le noir def ni. Parce que vraiment le fond musical, quand il s'agit de la musique, il y a quelque chose qui marche globalement. Okay. Donc il faut que texte à donner. L'unanimité, mon gars. Voilà, il faut que texte à donner, les gens vont kiffer ça. Donc si nous gelons tout ici côté beau, après mélanger avec art, cinéculture et tout, ça peut passer. Quoi. Okay. Voilà, parce qu'en mélangeant un peu de notre culture, ça donne une identité. Quoi. Voilà, parce que ce rôle au Nigeria, c'est ça qu'ils ont fait. Tu vois, donc l'afro-musique, ça parle. Pour tout le monde parce que faut dem ci adna ñu ngi déglu Burna Boy, Wizkid et tout et il y a l'autre côté vraiment le rythme de l'afro musique et tout c'est signature Nigeria là, quoi. Voilà donc je pense que il faut penser d'une manière globale quoi. Mais gis nga ni da rap galsen dal war mëna jaay en international dans le monde entier. Bien sûr, bien sûr. Parce que fille, parce que sur les temps au Buzz Lab, c'était ils sont hyper talentueux. Tu vois, donc sur les par exemple comme Degle, faut que texte c'est admirable avant qu'il fait ça. Voilà, donc amnon ben époque pour maintenir musique vraiment de faut tolon faut États-Unis tolon. Voilà. Donc, époque où Buzz Up, on parle de Lil Wayne et autres. Et voilà. Donc, voilà. Nous parlons de New Bay, on dit des hip-hop américain, dit des le Buzz Up, dit def. Parce que, bon, Canabas, moi, je le connais bien. C'est un gars qui a maintenu de femme vision aussi. Voilà. Donc, il faut de la vision, quoi, pour le pays. Même niveau politique aussi. Il faut besoin de vision. Voilà. Alors, jot nga collaborer avec certains artistes yo xamanteni ni moy ba nga nekké États-Unis jot nga liggéey fofu certains artistes sang tamit ci sa biir wax né nga jot nga jobal ak ben artiste bo xamanteni ni français la si je me trompe pas jot nga liggéey ak tamit ay artistes yo xamanteni sénégalais lañ mais yow mi nekkone États-Unis est-ce que dañu mëna différencier différence bi am fofu le fait que nga nekkone États-Unis ñu fa jotta jobal ak ni nga jotta jobal fi ni Sénégal est-ce que mën nga ñu wax ndax amna différence ou pas. Wow, comme que aux États-Unis on est beaucoup plus exposé, si information et c'est un pays hyper développé. Donc déjà en termes de vitesse, rapidité, c'est pas tant là où nous quoi. Donc vitesse, rapidité et compétence. Donc tout ça, ça fait une différence. Artamit financièrement aussi. Voilà. Donc Sénégal, bon. Nous aussi, en termes de culture générale, on est quand même pas mal connecté aussi. Quoi. Mais il y a une différence entre nous, pour nous, nous avons une expérience. T'es affecté sa mentalité, t'es affecté ta manière de bouger et tout. Voilà, donc environnement, ça joue un rôle. Bien sûr, il y a des côtés positifs dans la culture, mais aussi il y a des côtés, ça nous retient quoi aussi, d'avancer quoi. Parce que sans qu'il y ait une interview, Khaled Boudjigen, elle fait du rap. Parce que sur la culture sénégalaise, il y a un stigma pour les femmes. Les femmes, Boudjigen, les femmes placent dans cette société. Ou alors, du rap, c'est rap, c'est...
industrie là-bas, c'est dominé par les hommes. Là, ils font du rap, tu vois. Et sur les États-Unis, il n'y a pas ce stigma-là. Il y a cette liberté d'expression. Et si on est artiste, on sort la liberté. Si on met la limitation, tu n'es plus un artiste. Parce qu'il y a un calcul, il y a une annonce, on devait les empapes, on a des choses. Donc, tu es hyper limité. Voilà. Donc, bon. Voilà, dans le développement, il y a plein de côtés à avoir. Sang ci biir waxtan bi ak magi ma ngi don deg ni sa beuf nan peut-être de dina am ño xamanteni de ngeen produire donc côté bobu dama ci ñew juste une question buñ né Sénégal vraiment meun na né fi on a les plus grands beatmakers, on a les plus grands rappeurs, on a les plus grands ingénieurs de son. Sénégal meun na né manké wuñ dara au fait. Boudé côté artiste aussi, on a des rappeurs qui sont très talentueux. Boko les nouvelles générations bi ñi génn amnañ talent mën nañ luñuy def, mais amna ci ño xamanteni ni peut-être amaguñu yenn visibilité yi. Mais yow étant un producteur nga nek beatmaker di def affaire Younas, est-ce que paré nga pour jappalé yenn jeune yoy non tay ñu mën leena ragné ci biir hip hop galsen? Wa man avant mes job on it, il faut ñu taw waxtan pour xoss, on partage les mêmes visions, parce que vision de femme solo quoi. Voilà, donc au moment où on partage les mêmes visions, je vois que le talent est là, après aussi, nek nit bu oyof aussi, tu vois. Donc après, si nous toguer, nous n'en croyons, nous n'en voulons jamais quoi. Parce que mon de mon rôle c'est affaire où qui n'a amené tant d'abonnés ou là amené travail. Mon le meilleur rôle, moi, le talent, compétence, vision, artamite, t'es une personne humble quoi. Voilà. Donc lolu yeb su jalle am nga jiko bu rafet comme boba xamna day nice quoi, ligue bi day nice. Mais day nice yo c'est xarit rek, c'est copain rek, non même pas. En fait au début c'était ça rumeur, yo ça c'était pas vrai quoi, parce que t'as fait qu'on est man my sort ex Sénégal, donc en termes de relations il fallait développer les relations avec les autres et tout. Après quand j'ai pris le temps de connaître plusieurs artistes sénégalais, après sur le même le projet New Dakar, il y a 70 pays d'artistes sénégalais maintenant. New Dakar, parce que ça c'est un parti politique. Non, c'est juste un petit changement quoi de ce qui se passe là couramment au Sénégal en termes de musique et tout quoi. Moi, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est important de faire quelque chose qui va plaire à tout le monde, pas juste les Sénégalais quoi. Donc, moi je vois le monde d'une manière globale. Voilà. Comme on dit en anglais, bird's eye view. Voilà, parce que petit suis now les rôles paysages bio. Non, là, il y a des arbres quoi. C'est pas arbre par arbre par arbre. C'est toute la forêt, c'est forêt vieille pour le quoi. Drone, dinañ dalal ci mom légui, parce que man je me rappelle, nous parlons de musique à l'époque dañ doon wax ay 5e underground, dañ doon wax ay wa Sen Kumpa, dañ doon wax ay Simon featuring Simon ak Books. Man je me dis que featuring bu mel non dotul gaaw amati hip hop, parce que nekkon na lo xamanteni concert dañ ko doon yakamti Books Sen Kumpa wala Simon di rap nga gis wa 5e underground si ginaaw lolu si dafa nekkon lu am solo. Mais jamono jojo man je dis que ni ñom réussiron nañ lo xamanteni peut-être c'est un défi, parce que andi waton nañ hip hop. C'est mon mo nga def waw ma xam ma mère nek ñu won ci ay jabu non musique bi ni la musique bi neela non dañ doon dem pour hip hop, dañ doon dem pour rap. Mais actuellement gis nañ ni que tendance bi da fay nek gaay dañ nan ay rambax dañ ci tek tama, dañ ci tek tama, dañuy def li duñ def li. Mais man daf ma jaaxal, lan le yenen pays africain réussir ñun luñu réussir, parce que actuellement bo démé États-Unis xam nañ nigérien yi, bo démé France xam nañ nigérien yi, même ci Afrique francophone bo démé wa Côte d'Ivoire actuellement xam nañ len Didi Bay ñu na fi, mais après dafa voilà dafa explosif. Yenen pays lan lañu réussir selon yow lo xamné ñun Sénégal réussir nga encore quoi? Pas encore wa. Bon, xam nga aussi comme je te dis, société bi moy limiter la manière de faire les choses quoi. Parce que fi bon Sénégal mbalax mo fi nek, te Sénégal moy
le seul pays où j'ai été fille. Donc après, comment on exporte la musique d'une manière globale, en même temps respecter une culture et tout. Je pense qu'il faut collaborer avec les autres artistes d'une manière que les artistes, les Sénégalais d'une apprécient la musique, quoi. Et aussi le marché global d'une apprécient aussi, quoi. Donc financièrement, ça joue un rôle parce que ça demande des fonds. So, pour le Nigeria, ils sont en termes de capital. They're big, man. They're very big. Même chose avec Côte d'Ivoire et tout. Mais Côte d'Ivoire, son rôle, c'est une culture. Ils sont fruits. Ils savent faire la fête. Ils savent faire la fête. Donc voilà. Donc nous, quand on parle de c'est ça limite un peu. Ça limite parce que c'est bégué d'alors ouais ça limite c'est frontière avec les des quoi on peut exporter tes rôles musique ivoirienne tout le temps des du Sénégal quoi sont les remarques tout le temps des du j'ai arrêté du fi et pourquoi mal du parce qu'en termes de rythme beaucoup de rythme on fait ok voilà comment c'est moula chicken moula chicken mono moula chicken c'est aïe musique ivoirienne moula Donc il faut vraiment décortiquer les affaires. Ce rôle est bien artiste comme Miyagi, c'est mon Miyagi, c'est mon pour moi fait les choses vraiment nice. Voilà. Miyagi c'est mon n'est qu'un artiste bon comment tellement je la vois comment mon dem fou sorry. Tu vois mon de collaboration avec Nigérian. Si j'étais à sa place, tu me juk dem Nigeria ça. Dem Abuja. Wala Lagos. Yo ko level bi ko. Boba day dem for sorry. Talent. Yegalen ko crew way, En même temps da fay conserver li nga xamne mom moy langue wolof. Ah non, mi gisé kay bu ñu gisé. Non, bien sûr. Parce que gisé la langue wolof, ça xolal xam nga en terme de structure, so defé musique bo wara def, même so utiliser wolof sax day jall. Parce que xam nga tube bi ma guéné ni, man j'ai plein d'amis du États-Unis qui m'ont contacté à influenceur qui m'ont dit yo comment là ouais c'est quoi ça s'il te plaît tu vois donc ça veut dire que musique t'as fait une langue universelle mais juste avant de non tu oublies musique musicalité t'as fait une même beau des langues bi Elle est venue dans le game, elle a compris tout. Elle s'est bien organisée. Ça se voit que mon équipe professionnelle est jobable et tout. Et elle est consistante. Tu vois, quoi? Dubaï et quoi. Parce que, elle est vraiment consistante. Donc à mon il y a un artiste qui a maintenu dans un petit secteur pour marché global mais dans yon xawa baye ko touti avec ça c'est dommage par contre mais Miyagi c'est si tu vois succès pour moi mais tout elle est consistante et tout vraiment on a gagné yek échelle bien encore vraiment collaborer avec les Nigérians et tout. Et ça va passer à mon avis. Alors, tu es un auteur, compositeur et en même temps un beatmaker. Voilà. Récemment, Machallah, voilà. Récemment, il y a une polémique qui a été parce que nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de faire des beats, qui ont été en train de faire des beats, qui ont été en train de faire des beats, qui ont été en train de faire des affaires, qui ont été en train de faire des affaires. Tu étant un beatmaker, quelle est beatmaker bonne position Si on parle de hip-hop, vraiment, parce que ça dépend de la moins cible, ce genre de musique. Parce que j'ai une sensible, c'est juste TikTok, Mary, Pai, Khalei, c'est fini. J'ai tous une genre de musique, c'est le hip-hop. J'ai influencé le texte du genre de musique, c'est pas vraiment un rappeur. Voilà. Mais je pense que la musique, il y a une place pour l'hip. Tu vois, waru fait tes bords quoi. Voilà, mais mungen la univers yep. Voilà. Donc en tant que rappeur, il y a une manière de bien mélanger peut-être un peu du mbalak et du vrai hip hop dedans parce que so xolé Didi bi, su jige Côte d'Ivoire ñeu Sénégal di fi defay clip
Si bir clébom, il y a un peu du rambar, du mbalak dedans, mais aussi en même temps c'est du hip hop. Personne peut nier que c'est pas du hip hop quoi. Tu vois, je veux dire, personne peut nier que c'est du hip hop quoi. Donc lui il a bien fait les choses, mais t'as fait qu'il est aussi, il avait un bon beat, mais que donc amener bien une vision pour ramener. Il va respecter l'histoire du hip-hop et tout, en même temps, paix, hommage, on peut dire, à la culture sénégalaise. Donc, à la fin, ça reste toujours du hip-hop. Voilà, mais si tu n'as pas de hip-hop, tu n'as pas de hip-hop. Voilà, nous avons une musique TikTok, nous avons une musique peut-être. Parce que, bon, tu attrapes une musique, c'est... Peut-être on va l'appeler trap malheur, ce que Didi B a fait. Peut-être. Tous des noms. Mais pas ça, mom, il a expliqué. Miguelon a expliqué. N'importe le tagué bibi. Parce que je me dis que est-ce que tu me dis il y a un compositeur ils n'ont pas encore compris. Parce que pas ça, n'importe mom, de fond dire que tagué les gars qui mettent les moments trouble. Donc c'est tag et percussion. Donc lol beaucoup ils dégagent ça. Quelques secondes on peut dégager le bibi, mais ça te double le jeu pour voir carrément dans les décis hip hop. Waouh, bon, moi, je ne sais pas si je suis un peu déf, ce qui est important, moi, c'est de faire le rafet. Les questions, c'est moi. Daphne, moi, je suis un bébé, je suis un peu de trouble. Je suis un peu de trouble. Le prochain single qui doit sortir et tout. Tamo ni tag sabar et tout. Ni tag djembe bi bongo et yoyop. Donc ñu ci sama studio. Donc dafa fait qu'on est un seul était déjà prêt. Donc bi ñu ñué tous ceux qui ont rajouté genre djimbo là quoi. Madame accompagnement là dans assaisonnement là. Voilà, assaisonnement là, genre djimbo là quoi. Mais si tu veux commencer à faire si hip-hop, ça devient compliqué. C'est compliqué. Compliqué quoi. Donc, si le sujet est pour faire que nécessaire qu'il a dit, je suis d'accord. Parce qu'il faut un celui en premier. Il n'y a que du travail. Après, il y a du boko, de la sauce. Voilà. Ça peut le connaître. Voilà, merci beaucoup. Assaisonné. Merci beaucoup. Voilà. New Dakar, date de sortie. Date de sortie, Inch'Allah, le 1er juillet. Donc, après Tabaski, voilà. Balancer sauce. Voilà. Donc, album Bouran, c'est rempli de couleurs, honnêtement. J'ai touché l'univers. Même, j'ai fait du Amapiano dedans. Avec Mr. Catch et tout. Amapiano, Galsen, quoi. Tu vois. Donc, couleur pour la parce que. Il est temps de tout ce marché global, mais un peu quoi. Aussi, je comprends que Atissi ou Barry aussi, ils ont des investisseurs derrière eux. Parce que tout ça coûte de l'argent. Peut-être aussi investisseurs, il est temps de faire de l'argent, les trucs innovateurs. Parce que, quand nous sommes innovateurs, tu prends plus de risques. Peut-être nous dors, peut-être nous dors. Mais pendant tout ce trajet-là, il y a de l'argent. Qui est investi. Tu vois, donc il faut une qui n'y a pas. Aussi, le mi-khalad, moi, je le fais pour mon pays, patrimoine sénégalais. Voilà. Donc, moi, j'ai dépensé des millions sur mon projet. Beaucoup d'argent. Tu vois. On a une vidéo Instagram pour expliquer. Voilà. Tu prêtes, je pense, tu m'as coûté 6 millions. Voilà. Le son, donc, tu pour la vidéo. Tout, everything, la totalité, vidéo, $1,000. Voilà, donc 6 millions, donc 6 millions à peu près 10 000 et quelques dollars. 10 000 dollars, $10,000. Donc, moi, le film Togni, Khalis, Mounio, Wolonio, ça me dérange pas. Parce que moi, je le fais pour le Sénégal, quoi. Tu vois, je le fais pour le Sénégal. Moi, les plus médias, c'est pour le Sénégal. Voilà, si je Guinée, si je suis en Guinée, c'est pour le Sénégal. Tu vois, parce que. Amna ben instant ya le sou awale dara solo c'est pour djoko kenen voilà so xolé Ali Dji c'est un gars qui habite dans mon quartier quoi il me guiss avec moi talent Ali Dji faut jélé wadjou voilà donc c'est un gars talentueux tu vois moi artiste
avant ñu blow damay dégg sen waxé tout quoi. Par exemple ñu dañ ñëw di mëna jobala ki tu vois, mais man ce qui est plus important moy nga am talent nga nek nit bu oyof humble avec su jalé rek mané OK ta ñu job ñu mo galé tout ñeu studio mais tu da ngeen indi wat R&B. Ouais, c'est un peu Kizomba et tout, un peu tout, ouais, parce que... Madame, ce qu'on appelle Jomba Niao, underground, c'est ce qu'on appelle dans le monde. Yeah. Donc, Indouard, comme je disais, les gars qui ont fait un film Montero, ils ont fait des zouk affaires, Jomba Niao, ils ont fait un arrangeur. Tchoub, ils ont fait un arrangeur ancien. Parce que les gars, les rabbis, ils ont vu ce rambach, moi, ils ont fait un peu, quand ils se sopé, ñu lay tégal ay djiba ay samba pezi mais day gëna nek ci gal sen bi que ci kana bi quoi ci kana bi dafa lèr chu waw chu dafa ñu chu affaire yi chu affaire yi change couleur bi dal mu nekkon man sax may investir ci ginaaw chu la koy tuddi you know ah bon xam nga quand j'étais jeune avant may dem New York et tout ñu ñop dañu ñom sétane musique vidéo et tant yoy ban chaîne là ça MCM voilà comme mak la quoi donc MCM né nom c'est tantôt ciné nom gisé ay dilemma Nelly Kelly et tout donc xam nga amna ay son yo xam c'est tellement nostalgique c'est d'une comme ça faté touché quoi voilà même nouvelle génération bi di ñew ni ñi ngi déglu ay dilemma affaire donc dafa nek lo xamantene ça parle au monde entier. Donc non là je l'ai simple mais il faut me simple quoi. Mais d'une manière bon comment tenir à tes Sénégalais si nous poser là-dessus les Sénégalais vont vraiment sentir ça quoi. Donc Ali Dji il a écrit les textes en wolof. Hamzo Dra est venu. Hamzo Dra Mounio. Non Hamzo il fallait Mounio. Parti yaram ni soupo. On l'a dit parti yaram nena. Parti yaram ni soupo. Voilà. À moi, en termes de texte, moi, si moi, au Sénégal, en fonction de texte, en faisant de la mode d'accord, bien de texte. Moi, je dis, tu preach. T'as une rôle. Eh, prends son. Eh, ouais. T'as une rôle. En termes de texte, ça te fait réfléchir. À double entente, triple entente. À une métaphore, il grave. Ah mon monde où si rappeur il barifie vraiment amzorex mon level voilà tu sont les États-Unis les meilleurs rappeurs aux États-Unis c'est ça qu'ils utilisent sont les Jay-Z c'est ça qu'ils utilisent J. Cole c'est ça qu'ils utilisent Kendrick Lamar donc voilà donc sont les États-Unis les meilleurs avec double entendre triple entendre c'est ça qu'ils utilisent et c'est ça qu'Amzo Dra utilise donc conclusion ça veut dire quoi fait partie des meilleurs. Vrai ou faux. Mais dans mon freestyle, couple beau honnêtement. Dans mon freestyle, binou mon collègue. Collègue, si on est one more taxi, il faut top binou quoi. Dans mon freestyle, non quoi. Binou mon freestyle, après Ali Dji mon. Mon freestyle, les gars ni mon. Il faut que tout studio be enregistré quoi. Mon ah, mon non, mon dans mon bouger yo Hamzo, peut-être que benen artiste nek tag aussi quoi. Mon non, yo ya c'est tag. Yo ya YouTube. Yom mon force les. Mais bout d'un moment yom, j'allais pas le faire quoi. Mais après je l'ai fait voilà. En tout cas, sound bi nice na. Merci. Et def na it mën na ni parce que depuis lors voilà gars yang ci challenge ni di TikTok snap et tout ça. Mom ya ko d'habitude gars ay deux couplets lañu ki rek xam nga légui gars yi mom buñu jëk ba bu ñëw ba gars ñaari ti buñu jëk ba gars dañu rabal trop bu mu nek 4 minutes mais légui ñaari couplets rek refrain baxna mais yow premier couplet deuxième couplet yow nga ñëwaat troisième couplet xam rek avec yam lan 3 minutes pile 3 minutes pile voilà parce que man en temps normal bu mo way bu gudd quoi donc d'habitude sumu mune def way 2 minutes sax mo lay arranger parce que bon il moy ki taf en tout cas tu be nice na comme ni mako waxé tout à l'heure la vidéo aussi elle est très originale simple aussi am qualité ça a été un plaisir de partager l'émission Bégué Nation ak yow tay ci fête de la musique en attendant ñuy xaar projet bi le 1er juillet yagatul ñu koy xaar mais bu génné tay dina am dara fête de la musique dañ ñu may dara
faites de la musique, n'ordinale mais dara. Bon, moi j'ai déjà lancé le cover de l'album New Dakar, allez-y. Et aussi, je pense que aussi le gouvernement sénégalais wanna développer côté artistique bi tout comme musique bi, parce que ce rôle est Ghana, ils ont des initiatives yo xamanteni, ça amène beaucoup d'argent pour secteur tourisme bi. Américain yu bari chaque décembre dañuy jox ci thème Ghana parce que gouvernement dé organiser un festival. Donc gouvernement bu dañoo ils ont vu que ils ont pu accumuler à peu près 20 milliards de dollars. Parle de dollars parce qu'ils ont fait des initiatives qui poussent les Américains à quitter leur pays d'idem d'y visiter à Ghana. Donc parce que le domaine culturel, le domaine de musique, le domaine festival, donc n'en bas manifestation aussi, il faut nous trouver solution aussi situation de Kobe le plus rapidement possible parce que derrière le tourisme parce que nous barrer nous n'en gisons autant de touristes qui sont autant de touristes rennes quoi. Donc derrière tourisme bi et tout day ak khalis bi et tout business bi day ak et tout voilà donc non ça arrange personne mais man si ki bi lay nek ba legui niou Dakar bi est-ce que meun nga xamar yeen artiste lañ ci xaar kan omzo mo ngi ci bir non omzo ken ci bir Mr Cash mi ngi ci bi Tal bi mi ci bi amna artiste États-Unis yu nek ci bi artiste yu nek France yu nek ci bir mais ya c'est rempli de surprises dal. Vraiment, prochain single bi, je vous le balance, Inch'Allah. Mr. Cash, Talbi, Paco Brice, SK. SK, c'est un rappeur de Paname. Donc, Wahadko, prochain single. Prochain single, ça s'appelle Taga. Et Mungino après Tabaski. Après Tabaski. En même temps que l'album. Hein. En même temps que l'album. Après, après Tabaski Bidal, Majestic. Après Tabaski Bidal, je vous balance tout. Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis venu à la maison. One Nation TV, yo gis nga One Nation TV lo ci xalat lo xalat ci li non man suma gisé les gens comme Tal rek nek fi rek pour man xama respect quoi respect Tal rek lan ko xamé man lan lan ma xamé non écoute hip hop non mais dimension bu nek Tal rek nek na fo comme ki bibliothèque mais wax nak parce que DJ animateur hip hop lepp la def mais yo ce premier clip ya fa le go premier clip ban wax moy Yamal avant Jamal bi ban ce premier clip je me souviens avec mon chéri Almadi non mais yo t'as une bonne mémoire hein. Ah oui là man ma indi on caméra bo mo tourné porte lampe bo dib dundou gis caméra bo mo tourné bo omzo dala bi num tudu ti son bi way so omzo dala bi way num tudu ti way moy premier son omzo dala bi ki ay num tudu moi confisqué non avant premier tu vois sans on te dans la vie tu vois il dit non yard caméra bon moi contre moi tu as vu ce premier clip bi waouh mais yo am mémoire mais incroyable non voilà quoi ko ñeu jël lire am motax bo dem states li nga am hot 97 li nga am bt yeah lol moy développer hip hop ouais sénégal li nga am no one nation tv xam nga affaire bi moy zalone clip zalone caméra bo moko def OK zalone clam wow c'est incroyable xam mo dem ce premier vidéo tamit xam je me dis si ya xam nga budget su amé pour le côté culturel côté de la musique il dougal ko investir ko ci bi deug mo ngeun quoi voilà budget tourisme tamit voilà hip hop société le majestic drama dit le shout out dit le big up les compositeurs ñu nek à la base de la musique ay bu ñu waxe clip vidéo dit le wax artiste bala ñu wax artiste ñu wax beat maker ñu wax producteur dit le big up bu baaxa baax yaay def lu am solo ben pont entre les États-Unis et le Sénégal parce que dañ ko soxla pas parce que question complexe mais question qualité question tamit khalis mu dox Majestic Drama, Jajof. Merci beaucoup. On va se quitter sur donc, le clip Tube juste après New Ams New Danan. Parce que nous avons commencé avec rappeuse. Les nids d'un petit compositeur. Quand nous avons après, nous sommes le nom. Aïcha.